Hello, on est de retour pour notre deuxième plante. Aujourd'hui, on parle du gros thym en plein soleil. C'est parti! Alors, lui aussi fait partie de la famille des lamiacées, comme le soulier zombie qu'on a vu précédemment. Je vous mets ça ici ou là, si vous l'avez raté. Son nom scientifique, c'est Plectanthrus amboinicus. Voilà, il fait partie du genre des Plectanthrus. En tout cas, il est originaire d'Asie tropicale et d'Afrique. Il a plein d'autres noms. Okay, on l'appelle le tibum, on l'appelle origan cubain. Gros baume, petit baume, grosse menthe, Indian borage. Il y a plein de noms. Ok, donc dépendamment où est-ce que vous êtes, vous me direz en commentaire comment on l'appelle chez vous. Mais en tout cas, nous en Martinique, on l'appelle le gros thym. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Alors voici le gros thym. Il est reconnaissable par ses feuilles. Donc c'est un succulent. Donc il a beaucoup d'eau, il est gorgé d'eau. Comme vous voyez, ce ne sont pas forcément des branches, à part quand vous allez vers le centre, vraiment le centre même du plant. C'est une plante qui peut atteindre une hauteur quand même assez conséquente, donc il peut aller presque jusqu'à 1 mètre. Donc si vous lui donnez des tuteurs ou autre, elle montera. Sinon, c'est une plante qui peut aussi rester au ras entre guillemets du sol, donc pas trop haut. Elle se marie bien avec les autres plantes, mais ça on va le voir plus tard. Donc elle est reconnaissable aussi par son odeur. Oui, elle a une odeur particulière, donc c'est un petit peu camphré. Et sa feuille est quand même assez épaisse, voilà. Donc à ne pas confondre avec tout ce qui est doliprane et feralgan. Hein. Comme le soulier zombie, elle fait aussi des fleurs. Ses fleurs sont violacées, donc ça ressemble aussi aux fleurs du soulier zombie et aux fleurs du doliprane et de l'efferalgan. En général, c'est dans la période du carême, donc dans les mois d'avril, mars, mai, dans ces eaux-là, c'est là où il commence à fleurir. Voilà, si votre Plectanthrus amboinicus, donc c'est-à-dire gros thym, n'a jamais fleuri, ne vous inquiétez pas, c'est normal également. Alors, petite anecdote, il est très utilisé dans la cuisine. Vous pouvez utiliser ses feuilles pour faire du pesto, donc ça se mariera super bien avec des pâtes ou même une daube de poisson. Son utilisation maintenant. Alors, on va d'abord parler de l'utilisation en interne avant de passer sur l'utilisation en externe. En interne, bien sûr, pour tout ce qui est les digestions difficiles, les ballonnements, les gaz, le gros thym est votre meilleur ami. Pour tout ce qui est les affections respiratoires, le gros thym aussi est votre meilleur ami. Bien sûr, vu qu'il est de la même famille que doliprane et feralgan, vous vous doutez bien qu'il a ses aspects de douleur, en fait, antidouleur. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous avez des règles douloureuses, des maux de tête, des maux de dents, des maux d'oreilles, des choses comme ça, vous pouvez l'utiliser sous forme d'infusion. Bien sûr, on l'utilise souvent aux Antilles pour tout ce qui est les fièvres, les rhumes, toutes ces petites choses-là, la grippe. Et il est aussi anti-rhumatisal. Donc, si vous avez des rhumatismes ou autres, des difficultés au niveau aussi du corps, c'est assez intéressant. Il est bon aussi pour tout ce qui est circulation sanguine et puis pour tout ce qui est le foie. Ensuite, en externe, c'est une plante qui est super si vous vous faites piquer par des insectes ou des fourmis ou des moustiques ou peu importe et que vous n'avez rien d'autre sur la main, vous pouvez utiliser le gros thym. Vous le mettez directement sur la plaie, la piqûre, la morsure, peu importe, pour la calmer puisque ça a aussi des vertus antibactériennes, donc pas cicatrisantes mais surtout antibactériennes en fait, donc ça va apaiser. Et aussi, si vous avez des problèmes de tout ce qui est démangeaisons ou autres, ça fonctionne. Nous, par exemple, on l'utilise, anecdote encore, on l'utilise sur le chien fer quand il a ses problèmes de peau pour l'apaiser, pour qu'il arrête de se gratter. Vous pouvez l'utiliser en combinaison avec d'autres plantes, mais c'est une plante à avoir dans son jardin. La plupart des jardins créoles l'ont en Martinique. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, que ça soit en condiment dans la cuisine ou bien même au niveau des vertus médicinales. Je le répète, pour les règles douloureuses, c'est vraiment... génial. Pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est quand même très fort et que c'est très amer, donc c'est pas un goût qui est extraordinaire. On s'entend, sous forme d'infusion, c'est pas le meilleur, c'est pas du sirop de grenadine quoi. Donc vous n'êtes pas obligé d'en prendre beaucoup. Si vous prenez des feuilles, vous pouvez prendre une poignée comme ça. Ça représente à peu près entre 20 et 30 grammes, 20 grammes moi je dirais maximum, parce que honnêtement sinon c'est pas très buvable. Pour un litre d'eau, si vous le mélangez avec d'autres plantes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ça. Vous pouvez utiliser juste ça par exemple, que vous mélangez avec d'autres plantes, ou juste une feuille, dépendamment le nombre de plantes que vous utilisez. Voilà, au jardin maintenant.
Si vous voulez multiplier votre plectantrus amboanicus ou votre plectantrus en général, vous pouvez le faire juste comme ça en le plantant dans le sol. Faites attention à prendre une belle tête comme celle-là. Il faut qu'il y ait au moins un œil, on va dire, qui soit présent et vous le plantez directement dans le sol. Vous l'arrosez bien et ça va vous donner, en fait, il va repartir, il va faire des racines et il va repartir. Voilà comment vous pouvez multiplier vos plectantrus. Ensuite, c'est une plante qui se plaît bien au jardin. Pas besoin non plus d'avoir un sol trop riche. Toujours bien drainé. Ça fonctionne super bien en pot. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. C'est quand même une plante qui est facile. Donc, si vous voulez commencer par une plante médicinale, je vous invite à commencer par le gros thym parce que c'est difficile de tuer un gros thym. On s'entend. Ensuite, c'est une plante aussi qui permet... puisqu'elle a une odeur assez forte, donc elle va protéger en fait vos cultures. Donc n'hésitez pas à la mettre un peu partout dans votre jardin, si vous avez un jardin potager, que ça soit pas trop loin des tomates ou pas trop loin des oignons, peu importe. En fait, l'odeur va pouvoir repousser une grande partie des nuisibles. Enfin, il existe une étude actuellement pour voir le potentiel au niveau des fourmis manioc. Donc pour ceux qui sont en Guadeloupe, parce que nous on n'a pas trop de fourmis manioc ici en Martinique, mais pour ceux qui sont en Guadeloupe, si vous voulez tester, vous pouvez faire des infusions ou des macérations de gros thym, surtout des infusions de gros thym, donc une tisane en gros de gros thym. Et vous pouvez par exemple la mélanger à la pulpe de calebasse et puis essayer de mettre ça dans le nid de la fourmi manioc pour voir. Parce que c'est vraiment, il y a une étude qui est très sérieuse qui analyse en fait l'huile essentielle qui se trouve dans le gros thym, qui serait en gros ça viendrait perturber la fourmi manioc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du gros thym, comme d'habitude, assez express. Vous savez en gros à quoi ça sert, en interne, en externe. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, comme d'habitude, un partage si vous savez qu'il y a quelqu'un qui a des gros thym qui ne l'utilise pas du tout et qui laisse le gros thym prendre l'air comme ça dans le jardin. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.